Un jour le diable fit une jama qui avait tout l'air d'une mazurka. Valsa trois temps, il ne savait pas ce qu'il venait composer là. Aussitôt la terre entière par cet air fut enchantée. De l'ancime au cimetière, tout le monde la chantait. On la dansait à petits pas, et bien souvent aux heures des pas, le diable venait sur sa java frapper du pied dans les estomacs. Des petits malheurs vite commencèrent, car ce refrain de Lucifer planait partout tout de suite après, circonvenant bien les esprits. Vers la fin du mois de décembre, un député prit le cours à la tribune de la chambre, dit dans son discours: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? À coup de fusil, on dut l'abattre, il expira au deuxième couplet. Au beau milieu de son rôle, trahit son auteur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, à quelle pagaille dans le théâtre, les spectateurs montaient sur scène, l'œil en fureur et le geste obscène. Au-delà des mers, ce fut bien pire, le mal gagna, c'est trop affreux. Il lui fallait pour son empire jusqu'au pôle Nord et la terre de feu. Mais le plus terrible ravage fut dans le monde des banquiers, où la grande java sauvage fit des victimes par milliers. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hurlait New York et Chicago. Puis un jour tout intranquille, on n'entendit plus de java. Dans les champs et dans les villes, savez-vous pourquoi? Parce que le diable s'aperçut qu'il ne touchait pas de droit d'auteur. Tout ça c'était l'argent foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. La 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 la.